Et voici la vidéo règle du jeu Les Héros de Cascaria. Alors, c'est un petit jeu de parcours avec un petit peu de gestion pour 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans. C'est un jeu de Benjamin Schwer, édité chez ABBA. Au niveau du matériel, tout d'abord un grand plateau de jeu qui présente deux parcours, un qui part du village de la Cascade, un qui part du village des Crêtes, et qui arrive tous les deux sur le cratère du volcan qui se trouve ici. Nous avons ensuite un ensemble de pépites d'or, c'est le trésor qui a été volé par les trolls qui sont ici. On va donc le placer, le trésor, dans le volcan. Et ils ont aussi volé, en plus de ça, une amulette magique, comme ceci, qui est en bois et qui est recto verso. Et on va placer cette amulette magique, elle aussi, dans le volcan. Nous avons ensuite quatre ensembles de pions à la couleur des joueurs. Chacun va choisir sa couleur et il va recevoir ces deux pions qui sont constitués pour chacun d'entre nous d'un griffon reptilien, comme ceci, et d'un arpenteur des crêtes. On va placer le griffon reptilien de chaque joueur dans le village de départ de la cascade et l'arpenteur des crêtes dans l'autre village. Pour finir, nous avons un paquet de cartes. Alors attention, dans ces cartes, il va falloir aller chercher cette carte spéciale, la carte cascade, qu'on va pour le moment retirer du jeu. Ensuite, on va bien mélanger ce paquet le plus correctement possible. Ceci étant fait, on va pouvoir placer ce paquet de cartes sur la première case qui se trouve là. Et ensuite, nous allons faire une distribution aux joueurs. Chaque joueur va recevoir 5 cartes de ce paquet. Lorsque chacun a ainsi reçu ses cartes, on va prendre le paquet, le placer sur la pile de pioche à cet endroit-là du plateau de jeu. Ensuite, nous allons tirer les 3 premières cartes qu'on va placer face visible sur ces emplacements-là. Une fois que ce sera fait, nous allons prendre ce paquet, le couper en deux à peu près, donc par exemple comme ceci, et une fois qu'on l'a coupé en deux, nous allons prendre la carte cascade qu'on avait mise de côté et on va la mélanger avec un de ces paquets. Une fois qu'il sera bien mélangé, on va remettre ce paquet sur la case de pioche qui se trouve ici, et par-dessus, on remettra le reste des cartes, ce qui veut dire que la carte cascade se trouve dans la deuxième partie du paquet, mais on ne sait pas où. Nous sommes alors prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu? Eh bien, nous sommes à Cascaria, un pays fantastique dans lequel des méchants trolls ont décidé de voler l'amulette des ancêtres ainsi que le trésor des habitants. Ceux-ci ont donc décidé de partir en expédition pour récupérer le plus de leurs trésors, et chaque joueur va donc faire la course avec son griffon reptilien et son arpenteur des crêtes, de façon à récupérer la plus grande part possible de ce trésor et ainsi gagner la partie. Nous pouvons alors commencer la partie par le joueur le plus jeune autour de la table. Chacun va bien sûr regarder les cartes qui lui ont été distribuées en début de partie et ensuite, à tour de rôle, les joueurs pourront jouer en choisissant une des deux options possibles. Lorsque ce sera un joueur de jouer, il pourra soit piocher des cartes sur les cartes face visible ou les cartes face cachée, ou jouer des cartes de sa main pour réaliser les actions correspondantes aux cartes jouées. Alors, imaginons que le joueur le plus jeune soit le joueur qui possède les pions verts. Celui-ci va regarder son jeu et il va décider quoi faire. Si on décide de jouer des cartes pour réaliser des actions, on ne pourra jouer qu'un ensemble de cartes de même couleur. Voilà pourquoi il va être intéressant d'essayer de récupérer des cartes de couleur identiques. Donc, notre premier joueur pourrait se dire, ben, au lieu de jouer des cartes, puisque là j'ai 5 cartes de couleur toutes différentes, je vais plutôt piocher cette carte-là, car elle est de la même couleur que celle-ci. Comme ça, je pourrai les jouer pour plus tard. Attention cependant, on est limité à 10 cartes maximum en main. Il faudra faire attention lorsqu'on choisit cette option de ne pas dépasser 10 cartes. Là, c'est bon, puisque j'en avais 5, ça m'en fait 6. Je la pioche et immédiatement après avoir pioché une carte face visible, je la remplace par une carte tirée du paquet. Mon tour est alors terminé, on passe au tour du joueur suivant.
Alors, imaginons qu'à tour de rôle, chaque autre joueur ait pioché aussi une carte et décidé de faire ça comme action. Ça revient au premier joueur de jouer. Et au lieu de piocher une carte face visible, je peux aussi décider de piocher une carte face cachée. Par contre, je ne sais pas sur quoi je vais tomber. Mais là, par exemple, il n'y a que des cartes de couleurs différentes par rapport à ce que j'ai en main, donc je peux préférer essayer de piocher une carte face visible. Effectivement, il sera interdit de jouer des cartes si on n'en a pas au minimum deux de la même couleur. Donc toutes celles qui sont toutes seules seront interdites à jouer. Je décide donc de piocher une carte au hasard sur le dessus du paquet et je l'ajoute à ma main. Pas de chance, ce n'est pas une couleur que j'ai, mais bon, c'est pas grave. On passe donc au tour du joueur suivant. Les cartes sont de trois types. Nous avons des cartes arpenteurs des crêtes qui permettront de faire tout simplement avancer notre pion arpenteur des crêtes d'une case. Alors attention, la couleur du fond des cartes ne correspond absolument pas à notre couleur de pion. On peut parfaitement jouer des cartes de n'importe quelle couleur. Nous avons évidemment aussi des cartes griffons reptiliens qui permettront de faire avancer d'une case les griffons reptiliens. Nous avons ensuite des cartes pépites d'or. Lorsqu'on va les jouer, on va gagner une carte pépite du trésor. Et enfin, il existe aussi des cartes avec plus 2 qui permettront, lorsqu'on les joue, de piocher deux cartes de son choix sur le jeu. Donc vous comprenez qu'on a tout intérêt à essayer de récupérer un maximum de cartes identiques. Alors imaginons que chaque joueur ait à nouveau joué en piochant, ça revient à moi. Et là, au lieu de piocher, je peux décider plutôt de jouer deux cartes, puisque là j'en ai deux de la même couleur. À ce moment-là, je les pose face visible pour que tout le monde les voie, et je les réalise dans l'ordre que je veux. Je gagne une pépite. Là, je vais donc prendre une pépite du trésor que je vais pouvoir placer devant moi. Et ensuite, je fais avancer mon arpenteur des collines. Et donc, je vais prendre celui qui correspond à ma couleur. Imaginons que je sois le joueur vert et il avance d'une case sur le parcours. Une fois que ces actions sont réalisées, eh bien, tout simplement, je vais prendre toutes les cartes que j'avais jouées, je vais les défausser dans la pile de défausse qui se trouve à droite de la pile de pioche. Mon tour est alors terminé et on passe au joueur suivant. Alors, imaginons qu'il y ait un autre tour qui se soit déroulé et que le joueur suivant décide de jouer ça. C'est le joueur jaune. Donc, le joueur jaune décide de récupérer une pépite qu'il place devant lui. Il peut avancer son griffon reptilien d'une case. Il est le joueur jaune, donc il avance son jaune jusqu'ici. Et cette carte-là permet de piocher deux cartes de son choix. Donc, soit je peux piocher deux faces cachées, soit je peux piocher deux faces visibles, soit je peux piocher une de chaque dans l'ordre que je veux. Là, par exemple, il pourrait se dire, ah ben moi, celle-ci m'intéresse, donc je la pioche, on la remplace immédiatement par une nouvelle, avant que je choisisse ma deuxième carte. Il peut très bien décider de piocher celle qui vient d'apparaître, ou de dire, bon, ben moi, je vais plutôt piocher celle-ci parce que les autres ne m'intéressent pas. Ensuite, il défausse toutes ces cartes-là, et on passe au tour du joueur suivant. Vous voyez donc que les cartes plus 2 sont intéressantes à jouer car elles permettent de repiocher à un moment où normalement on ne fait que poser des cartes. Alors n'oubliez pas que vous êtes limité à 10 cartes en main maximum, donc si c'est à un joueur de jouer et qu'il a déjà 10 cartes en main, et eh bien malheureusement il ne peut plus piocher, il va donc être obligé lors de son tour de jouer des cartes. Donc là, par exemple, il pourrait décider de jouer carrément, allez, celle-ci, parce que ça l'intéresse, paf, 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 il gagne donc une pépite d'or, il fait avancer son griffon, c'est le joueur rouge, son griffon, son arpenteur, pardon, son griffon aussi, c'est aussi le joueur rouge, paf, il se retrouve ici, il n'y a pas de limite au nombre de personnages qui peuvent se retrouver sur la même case. Et la partie se poursuit ainsi. Alors attention, lorsqu'un joueur va piocher une carte et faire apparaître la carte cascade, c'est une carte spéciale comme ceci, soit il l'a piochée dans les cartes face cachée et il est obligé tout de suite de la montrer, ou bien si jamais on doit la faire apparaître à cet endroit-là, à ce moment-là, il va y avoir un remélangeage de cartes. On va prendre toutes les cartes qui ont été défaussées jusqu'à présent par les joueurs. On va reprendre toutes les cartes qui n'ont pas encore été piochées sur le paquet. Et on va remélanger la cascade, cette fois-ci avec toutes les cartes et n'importe comment. Donc on ne sait pas quand est-ce qu'elle réapparaîtra.
Après avoir bien mélangé tout ceci, on va replacer ce paquet ici, et puis faire apparaître une nouvelle carte si c'est nécessaire, et continuer ainsi à jouer. À chaque fois qu'on retombera sur cascade, il faudra remélanger le paquet de défausse, le paquet de pioche et la cascade. Et la partie se poursuit ainsi. Alors attention, dès qu'un joueur fera parvenir un de ses pions, n'importe lequel, dans le cratère du volcan, la partie prendra fin immédiatement. Il faut donc faire très attention aux avancées des autres joueurs, et lorsqu'on voit qu'il commence à y en avoir plusieurs qui peuvent éventuellement faire arriver un personnage au cratère, eh bien il va falloir plutôt se dépêcher de jouer les dernières cartes que l'on a en main pour avancer le plus possible sur les parcours. Donc là par exemple, je suis toujours le joueur vert et je suis très en retard, donc là je fais avancer mon griffon, je fais avancer mon arpenteur, je reçois une pépite, et je peux repiocher deux cartes. Comme ici, il y a deux cartes vertes, et bien ça m'arrange. Hop, je vais prendre celle qui me permettra de faire avancer un personnage, et puis celle-ci aussi, pour pouvoir à nouveau, au tour d'après, avancer chacun de mes deux personnages. Imaginons que ce soit ensuite au tour du joueur rouge, paf, il joue ces cartes-là, il peut faire avancer son arpenteur de deux cases, 1, 2, et boum, il est arrivé, et il prend quand même toute la fonction de toutes les cartes qu'il a jouées avant qu'on termine le tour. Donc il récupère quand même ses deux pépites d'or, il défausse ses cartes, et la partie prend fin immédiatement, on va pouvoir passer au décompte final. Alors, le joueur rouge étant arrivé en premier, c'est lui qui va bien sûr récupérer l'amulette des ancêtres. Il va pouvoir la mettre dans sa réserve personnelle. Ensuite, on va attribuer des pépites supplémentaires en fonction de l'ordre dans lequel se trouvent les personnages sur la piste des arpenteurs et sur la piste des griffons, avec ce qui est indiqué en haut à gauche. Là, c'est donc sur la piste des arpenteurs, le joueur rouge qui est arrivé premier. Il va donc récupérer 7 pépites supplémentaires qu'il va pouvoir mettre dans sa réserve. Ensuite, le deuxième joueur, c'est le joueur bleu qui récupère 4 pépites. Et enfin, le troisième, c'est le joueur vert qui va récupérer une pépite. Le joueur jaune, malheureusement, est quatrième et ne reçoit rien. On fait la même chose pour le parcours des griffons. Ici, comme il y en a deux qui sont à égalité en tête, eh bien chacun d'entre eux va récupérer 7 pépites dans le trésor. Effectivement, il n'y a pas de lésé. Ensuite, on passe à la deuxième place. Il y a deux encore sur la deuxième place. Eh bien chacun d'entre eux va recevoir 4 pépites. Il ne reste plus alors à chaque joueur qu'à faire le total des pépites ainsi gagnées pendant le jeu en jouant des cartes pépites et à la fin grâce à cette répartition finale, et celui qui en a le plus l'emporte. Évidemment, l'amulette vaut 2 pépites, c'est indiqué sur le plateau de jeu. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a reçu l'amulette des anciens qui l'emporte. Alors, après quelques parties, vous pouvez décider de jouer avec la variante avancée pour les aventuriers intrépides. Il y a deux petites règles qui vont changer. Lorsqu'un joueur va jouer deux cartes arpenteurs des crêtes, attention, ce sont seulement ces cartes-là, ça ne marchera pas avec les griffons, eh bien, au lieu d'avancer de 2 cases, il avancera de 3 cases. Effectivement, les arpenteurs sont plus rapides que les griffons. Ensuite, deuxième chose, à chaque fois qu'un joueur jouera deux cartes de pépites de la même couleur, et bien de la même façon, au lieu de recevoir seulement deux pépites du trésor, il en recevra 3. Ça va ainsi, avec ces deux règles, encourager les joueurs à tenter de faire des combinaisons et de récupérer des cartes identiques pour pouvoir remporter plus de points. Voilà donc pour les héros de Cascaria, donc un excellent petit jeu pour familial à partir de 6-7 ans pour les enfants. Effectivement, c'est assez sympathique car ça permet d'apprendre en fait un peu de tactique et surtout de la prise de risque. Est-ce que j'attends en récupérant une carte de la même couleur ou est-ce qu'il faut mieux que je joue immédiatement des cartes pour avancer sur le parcours et être le plus loin possible avec mes deux pions car chacun d'entre eux peut me rapporter des pépites supplémentaires en fin de partie. Bien sûr, il y a aussi l'histoire des cartes de couleur. Si vous voyez un joueur piocher une couleur, eh bien vous savez qu'il fait la collection de cette couleur. On peut donc tenter de l'embêter en récupérant aussi les cartes de cette même couleur pour ne pas qu'il finisse, par exemple.
Et voilà, donc on peut aussi mémoriser comme ceci le jeu des autres joueurs. Donc ça initie aussi au jeu de cartes. Et donc c'est vraiment très très sympathique à découvrir en famille. En plus, le matériel, comme toujours avec ABBA, est magnifique. Les personnages sont recto verso, ce qui n'est pas toujours le cas sur les jeux, donc c'est vraiment sympathique. Et en plus, il y a de chouettes pépites à gagner, ce qui est toujours beaucoup plus parlant pour les enfants que gagner des points virtuels. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.